Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Sherlock Holmes, chapitre 1, live de la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! No, I envy you, je t'envie, Sherry. Tu peux parler aux gens sans qu'ils t'ignorent. Je t'envie aussi, tu peux ignorer tous ceux qui t'ennuient au moins. Tu ne rates pas grand-chose. La plupart des êtres humains sont insipides. Tu m'en veux flatter. J'avais une surprise pour ma mère. You had a shovel with you, John. Portais une pelle, John. I was holding an ancient. C'était un vase grec antique, ou plutôt un gros fragment du vase. Quite a big piece of it. Je me souviens présent, nous avions déterré le vase dans des ruines grecques situées ici, au Cordona, et nous avions hâte de le montrer à mère. Un autre, je suis sûr que ça renferme quelque chose d'important. Pour l'autre raison, la porte était fermée. Nous avons cogné. Et personne n'a répondu. Nous nous sommes dit qu'elle était occupée. Nous avons laissé le vase et nous sommes descendus. J'ai décidé de rassembler quelques outils d'archéologue pour examiner ce vase de plus près. C'est là que nous avons entendu du bruit, non? Ça venait d'en haut. Le vase était en mille morceaux éparpillés sur le sol. Et ta mère se tenait sur le pas de la porte. Non, non, John, je ne pense pas que c'était elle. Laisse-moi me concentrer. Otto Richter était là, furieux après nous. Le docteur nous a dit qu'il n'avait jamais dérangé ma mère quand la porte était fermée et prétendu qu'il avait cassé le vase. Mais nous ne l'avons pas cru, je parie que c'était lui. Les affaires sont là. Vraisemblablement, Mycroft n'a jamais cru nécessaire de s'en occuper. Ou n'a jamais pensé. Non, il aurait tout mis derrière lui pour aller de l'avant. Mon frère n'est pas du genre à sentimental.
Pense que le médecin aurait utilisé ses outils ici? J'espère que non. Aucune étiquette. Je dois qu'il y ait déjà eu. No labels. I doubt it ever had one. There appear to be residues au fond de la bouteille. Observation sur Madame Violet 11 sur le docteur Otto Richard en 1968. La première consultation a révélé que la patiente souffre de problèmes de sommeil, de périodes d'anxiété et de légères troubles de la mémoire. Je lui ai prescrit un puissant sédatif avec administration quotidienne. Et je continuerai de surveiller ses symptômes. En 68, le 3 août, la sédation a permis de diminuer les crises d'anxiété, mais Mme Holmes souffre désormais d'épisodes catatoniques et empathiques, ainsi que de dépressions prolongées. De plus, l'état de conclusion de la patiente semble s'être aggravé et a commencé à rédiger des lettres destinées à son défunt époux, comme s'il était encore en vie. Je lui ai prescrit 6 traitements supplémentaires pour équilibrer son état mental, ainsi qu'une séance hebdomadaire d'hydrothérapie. Les résultats fournis par les différents traitements sont mitigés, la confusion empirée et la patiente vit désormais dans un délire quasi constant. Toute contradiction de ses allusions le contrarie fortement et provoque chez elle une réaction agressive. J'ai désormais pu contacter de nombreux épisodes de violence envers sa famille ainsi que sa propre personne. En conséquence de quoi, j'ai ordonné que ses fenêtres soient dotées de barreaux et que Mme Holmes soit attachée à son lit la nuit. J'ai également augmenté le dosage de tous les médicaments et prescrit la patiente aux séances d'hypnothérapie supplémentaire ainsi que quelques hallucinogènes légers. Le truc qui a été dessiné par mère, je reconnais son trait, il est daté de 8 décembre 68. Ceci est fort singulier, je reconnais le style de mère, mais le tout est bâclé, daté du 12 février 69. Difficile de comprendre ce que le dessin est censé représenter, il n'est pas daté du tout. Straps on the bed. Sans les condensations du lit, quelque chose cloche. C'est visiblement le remède le plus souvent utilisé. Une drache se dissout dans un verre d'eau une fois par jour, une seule dose par 24 heures ne convient pas aux enfants. Mon doux Sigur, et là je me langue. J'ai encore de recevoir une réponse de leur part. Je suppose que mes précédentes lettres ne sont pas encore parvenues à force de parcourir tout le continent. J'espère que tu portes bien et que tu as repris le chemin de la maison. Je te prie d'excuser mon impatience, mais une vie sans la tendresse de ta voix et l'éclat de tes yeux ne vaut guère la peine d'être vécue. Les garçons ont besoin de leur père, eux aussi. Je vois bien que tu leur manques, même si, comme tu le sais, Mycroft n'est pas du genre à laisser paraître ses sentiments. Si jamais tu ne devais pas recevoir mes précédentes missives, sache que nous avons déménagé en Cordona. Je t'en prie, reviens-nous vite. À toi pour toujours, Violette, février 69. Oh, I would love comme je vais prendre un bain. Not this one. Pas dans cette baignoire, les signes d'usure dans la surface suggèrent une fluctuation des températures extrêmes. Je suppose qu'elles servent à des fins médicales. N'est pas obligé de rester ici, cher. Nous quitterons cet endroit dès que tu souhaites.
Et puis ça a toujours dégagé une acre odeur de médicaments et en voilà la raison. Le 21 août 1865, Monsieur Singer Morland Holm, archéologue et historien député, est mort, âgé à peine de 41 ans. Il a été frappé d'une crise cardiaque au cours d'une représentation à l'opéra du Covent Garden ce samedi. Malgré tout, les efforts déployés par un médecin sur place, M. Holmes, est resté inanimé et a péri à 18h20 le soir dernier. Son abrupte fin a profondément bouleversé chacun des nombreux membres de son cercle social. M. Holmes laisse derrière lui son épouse, Violet, ainsi que ses deux fils, Mycroft, 16 ans, Sherlock, 6 ans. Les services funéraires auraient lieu mercredi au cimetière de St. James, Highgate, et sera tenu sous le révérend W.S. Stanley. Le reçu de la mort de son père dans le journal est une expérience fort étrange. Je ne me souviens que de l'intense sentiment de cette perte. Tu étais trop jeune. Ça s'est produit avant même notre rencontre. C'était tellement triste, je suis désolé. I'm sorry. 69, notre examen du docteur Otto Richter. Au cours de ces derniers mois, j'ai demandé à Mme Holmes de dessiner quelques paysages. Les premiers étaient précis et détaillés, mais les dessins suivants ont rapidement commencé à s'éloigner de la réalité. Sa maladie semble progresser à grands pas et affecte peut-être même sa vision. Je devrais peut-être avoir recours à la trépanation. Au moins 4. Et les inverses. Thank you.
Un litre avec sel chêne, un hallucinogène à base de champignons. Mon enfance au manoir de Stonewood et des brides de souvenirs de cette époque commencent à me revenir. La demeure sans m'abandonner, mais peut-être qu'en redonnant aux pièces leur apparence d'antan, il me sera plus simple de me rappeler le passé. Dans mon palais mental, sans m'y avoir prise, le monde réel et mon père, j'ai accédé à certaines pièces. Je pense que je pourrais les ouvrir si je me souviens de plus d'épisodes passés. John m'a proposé de retrouver une chambre, de retrouver notre chambre. Je crois qu'il se situait à l'étage. J'ai réussi à débloquer la chambre de ma mère. Quel souvenir enferme-t-elle? Regarde ce que j'ai trouvé. Le roi blanc est en danger, chère. Peux-tu sauver et mettre ton adversaire en échec et mat en un seul coup? Il me suffit de mettre en échec et mat un seul mouvement et joue les noirs. Oh, nice move. Je écoute, tu as sauvé le roi blanc et tu as mis le noir en échec. Ben, grâce à toi. Différenter une partie entamée jadis. T'es pas obligé de rester ici, Sean, et puis tu rentres sans doigts si tu le souhaites. We can leave anytime you want. You're not obliged to be here, Sherry. We can leave anytime you want. A small archive of crime clippings. Maybe I should pick up this habit again. Oh, these must be the notes of my earliest observations. We wanted to locate a particular dog we'd spotted, and we met it, didn't we? Dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. A magnificent tool made for a spurious purpose, staring into the sky.
I've definitely found a better use for it. J'ai découvert une fléchette. On a tiré un éléphant avant de, après la mort de Theodore Gilden. Et c'est pourtant que j'ai pris ma décision. Passe mon enfance au manoir. Ok, ça c'était même pour dire que c'était. Je passe mon enfance au manoir Stonewood, mais près de souvenirs. Il avait un objet attendant l'endommage. Brings back some memories. Pour inspecter la chambre de ma mère, je me suis souvenu d'un matin chaotique que nous avons passé ensemble. Mother was troubled that morning. Ma mère est troublée ce matin. Quelque chose l'avait contrariée. Le docteur Richard a essayé de la calmer. L'hybride d'assiette était éparpillé dans toute la pièce. Mycroft a dû changer de costume vu que celui-ci portait était couvert de éclaboussures. Ils ont dû reposer le plateau de thé à ta de mer, mais pourquoi? L'hybride de souvenirs me revient, je crois que c'est produit le matin. You're not even trying, Sherry. Ma mère était troublée ce jour-là. Quelque chose l'avait contrariée. Le docteur Richter avait essayé de la calmer. Even try. Sherry, concentrate.
Ouais. Je ne crois pas, Manta. Éloignez-vous de moi. Rien de ceci est réel. Comment? Tout ira bien, cher, je te promets. C'est le matin du 9 avril, le jour où ma mère est morte. Le jour du 9 avril. C'était le début de bien fâcheuse manière. L'humeur anxieuse de ma mère était muée. En hystérie ce matin-là, elle avait lancé de la nourriture au visage du docteur tout en le traitant de menteur. John et moi étions en train de lui apporter santé du matin, mais les éclats subis de voix m'avaient effrayé, paralysé par la peur. Je ne pus me cacher près du lit, attendant que ça passe. Heureusement, John était là pour me protéger et me calmer. Ma mère, elle était peut-être pas simplement malade, mais folle. Dieu ait pitié. Dieu ait pitié. Je suis désolé, tout ceci explique pourquoi tu as fouillé tes souvenirs. Ce n'est pas tout, John. Je le sais, c'était le matin de sa mort. Je dois découvrir ce qui s'est arrivé, John. Chaque fois que tu... Je ne peux pas, pitié, cher, oublie tout ça. Respire, John. Tu sais qu'il n'est impossible de reculer face à ce dernier mystère. Nous y sommes presque. Je sais, mais... Mais pour un temps, au moins, attendre un autre jour. But can we at least leave it for another day? Well, history tells us these memories are triggered by investigations. Ces souvenirs sont déclenchés par des enquêtes que nous menons sur d'autres affaires. Je soupçonne que ce serait incapable de forcer. Merci. Quels sont les propres sentiments à l'égard de tout ceci? Dis-moi ce que je ne suis pas le seul à chanceler. I'm not the only one reeling. Les souvenirs sonnent faux et sont tristes, comme si la peur tenait à un autre homme. À peine réconcilié l'amour je porte à ma mère et à la réalité de sa condition. Et pire encore, ce qui a pu pousser Mycroft à mentir à son sujet. Il nous reste que quelques ondes d'ambre à dissiper, John. Inutile de nous attarder ici pour un moment de plus. En effet, une seconde, tu as entendu ça? Et ce même métallique, qu'est-ce qu'un marin peut bien faire ici? Sherlock Holmes, si je m'abuse, je vous cherchais. À qui ai-je le plaisir de parler? Vous pouvez me considérer comme un nouveau jeu. Les règles sont simples. J'ai quelque chose pour vous. Vous seul devez déterminer la nature. Et je suppose que quelque chose à mon prix. Vous apprenez vite, monsieur. Vieux et éliminé. Base de labeur fusée. Et un objet de forme carrée. Récent, mettre rose dans les cheveux. Un homme a tenu un marin affirme qu'il menait mon nouveau jeu et est venu chez moi. Un résidu de peinture rose présent dans ses cheveux a trahi sa véritable identité, à savoir celle d'un homme évoluant dans le domaine des arts. Ses mains n'affichent aucun signe d'activité physique fréquent. Je n'ai observé ni corps, ni peau pour rigoureux, ce qui n'accorde guère avec son habit de marin. Peu d'artistes connaissent ce mon nom ou mon adresse de résidence, qui place Volgel au sommet de la liste des maîtres du jeu. Envisageable, compte tenu de l'objet plat et carré qui se trouve dans la poche du faux marin, j'ai déduit qu'il était en réalité un employé de la galerie d'art de Volgel, venu ici pour me transmettre une invitation. Un homme est tenu un marin... I
J'espère que M. Vogel soit parvenu à attirer mon attention sur la galerie. Vous êtes ici pour me transmettre un vœu de m'y voir en personne, à l'évidence. Bien, vous êtes vif, monsieur. Pourriez-vous m'expliquer le procédé qui vous conduit à cette conclusion? Le plaisir. Les présences sont pour moi l'agrément de chaque observation. Vos mains n'affichent aucun signe d'activité physique régulière d'une caractéristique inhabituelle pour ceux qui portent un tel uniforme. La peinture rose dans vos cheveux, je ne connais aucun corps militaire susceptible d'adopter une couleur pour ces navires, à moins que nouvelle division, un marin avec l'âme d'un artiste sont plus plausible, un employé de galerie déguisé en matelot et dépêché pour me duper. Parmi les artistes que je compte, c'est l'île, combien savent où je vis et connaissent ma passion pour les arts et la déduction, Vogel figure clairement au sommet de cette liste. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable. Tout cela a été remarquable, monsieur Holmes. Vogel était vu juste au sujet de votre génie. Je pense même qu'il vous a peut-être sous-estimé. Voici votre invitation. Je vous prierai de dire à monsieur Vogel que la graine a été semée. Il m'a demandé de vous rayer cette instruction. Si jamais vous gagnez ce petit jeu, adieu. On cherche Sherlock Holmes. Comme vous l'avez sans doute déjà deviné, j'aimerais vous inviter à découvrir mon exposition d'art. Cette visite, loin de se limiter à une simple contemplation de la beauté, aussi pour but de réquisitionner votre génie. Vous trouverez la galerie au Caravanserral, située au croissant de la Bazaar Road et Elms Ave, dans la vieille ville. Votre ami, à jamais, V.V. Sherlock Holmes, je présume. Eh bien, moi, j'ai le plaisir de parler. Emilio Estevo, ravi de vous faire votre connaissance. Je suis ici à la demande de votre frère Mycroft Holmes. Monsieur Holmes est en ce moment en route vers Cordona et d'ici son arrivée, il a demandé de votre assistance sur une affaire délicate dont je dois vous fournir les détails. Écoute. Mark Ridley, le fils du général Arthur Ridley, est actuellement victime d'un maître chanteur. L'objet de chantage est de nature pour le moins délicate. Le couronne est grandement préoccupé par cette affaire, en particulier en raison du statut de co-régnant de Cordona. Que voulez-vous dire? La population automate locale aborde une certaine animosité envers la loi coloniale, et ce depuis que nous avons pris le contrôle de l'île. Le général Ridley a accordé quelques concessions à leur chef, mais l'hostilité reste bien réelle. Dois-je faire? Est-ce que Mycroft attend de moi? Que je récupère l'objet au cœur du chantage? Non, monsieur, rien de la sorte. Monsieur Ridley doit rencontrer le maître chanteur au sommet de la tour du pont de la Vieille. Nous les observons à distance afin de déterminer l'identité du criminel. N'essayez pas de l'arrêter. Une fois cette information confirmée, nous prendrons les choses en main. Vous gardez donc le meilleur pour vous, très bien. Un café après le pont vous fournira un excellent point d'observation. Venez me faire un rapport dès que vous en aurez fini. Je vous attendrai ici. N'oubliez pas que la discrétion est de plus haute importance. Marco a su la vérité de la mort de ma mère et a menti quand il a dit qu'elle était morte de tuberculose. Troublement tous en souffrait, mais peut être l'héritaire et pourrait affecter mon esprit. Le patio du Primo Café de l'ouest du pont de la vieille ville, Scaladio, ferait un point d'observation. Le patio Primrose Café à l'ouest du pont de la vieille ville.
On voit ce qui se passe par là. Guests of Cordona, the treasures await you. Collect them all and return for more. Here, grab a seat. Do you know anything about this? Excuse me, what? I'm not sure I know. You even brought a book, Même apporté un bouquin, hein? May I have... Puis-je avoir... Same as always. La même you chose just que don't give up, non, up jamais, do you? Jamais, hein? Oh, come on, let's get eh bien, closer. Rapprochons-nous. I can't see on ne voit rien d'ici. No. Non, il est trop tôt. So we're just going to tu vas entendre tourner day? Les pouces ici. Je la journée, un peu de patience, John. J'ai le pareil sentiment que Guts. L'histoire est plus complexe qu'on l'imagine. We'll nous approchons quand le maître chanteur partira à ce moment. Go. On y va. Oh, not a pretty ce n'est pas beau à voir. Trauma, fatal. C'est quand même mortel, la gravité est une cruelle injuste. Il a été poigné plusieurs fois avant que la chute. La forme des blessures suggère une lame de pointe recourbée. Il manque le couteau. Une clé, il nous reste à trouver le verrou. On dirait que presque qu'il a fait une danse. Sa danse macabre, peut-être. Bien que ce soit plutôt frivole pour un membre de l'armée, quel dommage qu'il se soit ensanglanté à présent. Individu pou, je déclare que Corporal Ridley est mort. Do you know anything about this? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Please move along. Il a pas laissé un chemin. Tout est sous contrôle. Is it now? Ah, vraiment, le fils du général a chuté de la tour et quelqu'un l'est visiblement. Je dois examiner la scène vite. I need to inspect the scene and quickly. Le caporal m'a ordonné de laisser personne entrer dans le prévenir au préalable. Mais là, attendez-vous. Vous voulez dire que c'est un meurtre? A brief examination pour examen du corps m'a suffi pour conclure qu'il a été tué par une lame d'origine ottomane. Il n'y a aucun moyen d'en être si certain. Oh, si j'en suis plus convaincu, le caporal a subi plusieurs coups de lame qui ont été absérés avec force. Les blessures ont été infligées avec un couteau prévu pour couper, pas pour poignarder une lame courbe comme celle d'un Janiba. Et je n'ai aperçu aucun Churga. Gurkha sur l'île, la conclusion de... Quelques-uns, évidemment, incroyables. Vous avez vraiment le bon, très bien, entrez. J'attendrai ici l'arrivée de la police. Avez-vous vu quelque chose de suspect? Non, monsieur, le caporal Ridley devait régler quelques affaires privées à l'étage. Personne n'est entré, personne n'est sorti, mais cela veut dire que le tueur se trouve encore à l'intérieur. Vous êtes sûr de vouloir y aller seul?
Are you sure you want to go in alone? I'm not alone. Je suis pas seul, mon ami, ma compagne. Your friend. Votre ami, vous voulez dire votre revolver? Je ne vois personne. Oubliez ça, tout ira bien. Le soir, il s'est évaporé. Imagine if we'd been able to get up here 10 years ago. Oh, it would have been the perfect base. Yeah. On ferait briser il y a peu. Sauver de la tour. This blade is a naval officer. C'est une dague de fils de marine. Elle est bien serrée. On l'a pris. This blade is a naval officer. Et on a pris grand soin. The edge is covered with blood. Le fils est couvert de sang, mais la pointe est propre. Wow. Reste debout. Odeur de transpiration. Peux-tu sentir cette odeur de corporate, John? Quelqu'un s'est caché ici. Quelqu'un qui a sué, à moins qu'il ne s'agisse d'un coffre. Alain, j'imagine les gros titres, mystérieuse disparition de porte en salle. La cigarette est encore allumée. J'ai découvert votre liaison entre rendez-vous à la tour du pont de la vieille ville. Venez seul et apportez 100 menhirs ou votre secret risque de tomber entre de mauvaises mains. La somme exacte de ces 100 menhirs, le tueur n'y a pas touché. Bon. Ridley est attaqué par son maître chanteur. Et cependant, il a réussi à blesser ce dernier avant d'être poussé par la fenêtre. Notre tueur est donc caché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Y avait-il quelqu'un à l'étage? Non, le tueur s'est échappé de toute évidence. Le meurtre a été soigneusement préparé. Que pouvez-vous me dire sur le mort? Nous faisions partie de la même unité de logis en la caserne près du pont, mais je ne connaissais pas très bien. Peut-être que vous aurez plus de chance à la caserne. Savez-vous si le capable avait des ennemis qui auraient pu vouloir sa mort? Non, je vois personne. Enfin, il y a des Ottomans, bien sûr, eux qui voudraient tous vous voir morts, j'imagine.
I hope the police find the murderer. À la maison réquisitionnée située près du pont de la vieille ville. I'm on guard, Sherry. So don't worry. How do you do? Can I ask you a question? I'm afraid I don't know about it. Hi there. Could you help me? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Time to check. Are you able to help me, Sherry? I cannot be of help. Attends, je suis penché sur qui, de quoi et comment je que dois-je? Could you help me? Your money doesn't impress me. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking about what and dressed as what? May I ask for your assistance? I would help you if I knew, sir. Excuse me, just one question. Your money doesn't impress me. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking about what and dressed as what? We can bargain. Could you help me? Why don't you go and ask your rich friends? May I ask for your assistance? Mr. Fancy Clothes won't find any answers here. Excuse me, just one question. Call me when you find the answer. I'm sorry. Are you able to help me? I've never heard of it. I'm sorry. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking about what and dressed as what? Don't mess up. Let's pick something that suits you. Bleu, costume blanc, tenue d'ottoman. A good choice. A good choice. Come, don't miss out on my unique clothes. The barracks are off limits to civilians. C'est là la caserne. On va y aller après.
Are you able to help me? What did you just say? Never mind, I don't want to know. Excuse me, just one question. Just leave me alone. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you'll do? Can you satisfy my curiosity? I don't think anyone here knows the answer. Should ask someone else. Can you satisfy my curiosity? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. This isn't working. You might need a different tack. Oh. Oh. Help me, please. I don't think I know. The barracks are off limits to civilians. The barracks are off limits to civilians. Come, come. Decorate your house in Oriental. Let's pick something that suits you. A good choice. A good choice indeed. Bon, on va voir si cela fonctionne. May I ask for your assistance? I'd help you if I could, but I know nothing. On est pas là pour prendre un relève, pas vrai, tant pis. Oh well. Bon, on est en dedans. Can you satisfy my curiosity? Satisfy ma curiosité? Ah, ah oui, je sais, this, je vous let aide. Quelque part, Radley était un donjou en avéré, mais ayant trouvé l'âme sœur, il a récemment mis fin à ses autres liaisons. Excuse me, just one question. I'd help you if I could, but I know nothing. Can you satisfy my curiosity? I don't know. Putting your mail sur mon dégât ici qui peuvent vous aider. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Tout le monde nous fixe le regard.
Do you know anything about this? I'd help you if I could, but I know nothing. Je ne sais rien. J'ai une pièce, comme je disais. Un peu trop austère à mon goût. Il y a des éraflures au sol, ce placard a été déplacé. Bon. Depuis notre dernier rendez-vous, les précieux moments que nous partageons peuplent chacun de mes rêves. Mais ces rêves ne cessent de se transformer en cauchemar, je crains qu'on nous découvre. Je me souviens trop bien de ce que je t'ai dit, mais j'avais tort. Je désire la vie que tu m'as promis. Je suis prêt à m'enfuir avec toi. Je t'attendrai chez moi. À l'aube, sers-toi de l'entrée de sans aigle. Les domestiques se tiendront prêts à accueillir une ottomane portant le foulard que je t'ai donné. Deux billets pour Londres, on espérait visiblement la fin différente pour l'histoire du caporal. Et voilà une belle somme, assez pour démarrer une nouvelle vie. Fils, comme tu le sais, notre proposition en coordonnées est propre à celle d'un homme à dos cheval. Or, ce cheval n'a que trois jambes. La première est l'armée, la deuxième est la flotte, et la troisième, que cela nous plaise ou non, est la maison de l'aigle. L'ennemi est tout entier qui s'effondrerait si on venait à couper un de ses membres. Je t'ai pris donc de bien vouloir ranger le lien, le tien, et de le comporter comme un Ridley digne de ce nom. J'ai assez toléré tes escapades, et voilà qu'on me dit que tu cours les jupons dans la vieille ville. Je t'ordonne de cesser immédiatement. Les Ottomans vivent selon leurs propres règles. Tant que nous les respectons, la paix ainsi fragile va-t-elle demeurera. Ne me déçois pas, général Arthur Ridley. Lève-toi jusqu'au sommet, rends-moi fier, mon fils. Ça ne doit pas être facile d'être fils d'un général. Tu imagines un peu dans cette uniforme, je pense que j'ai un sacré allure. Il y en manque un. 4, 3, 3.
413. 3-3. 4-3-3. Ah, c'est tiens, moi, qu'est-ce encore là, ouais. Faudrait un plus un. Ça marche pas là. Il en manque un.
4, 3, 2. Là. Que je croyais celui-là. 4-3. Qu'est-ce que tu peux en avoir un, là? Ah, tantôt, j'aurais pu l'avoir. Là. Avec celui-là. On met ici. Là. Là. Je fais ça. Ça me dit 4, 2, 5. Il faudrait du moins 1 plus 1.
4-2. Il manquait 2. Moins 8. Trois, un. Quatre. Les inverses. Il en manque un 2. Ah, il en faut un autre, le tabarnak. Tout le temps quelque chose. Un 3, un capot. Thank you.
un peu ça. Deux. Deux, quatre. Donc il faudrait un, deux, un.
3, 2. Ça monte, on peut descendre. S'enlève.
Un parnac réussi. Poulak se trouvait autour du cou de Marley au moment de la mort. Il est frappé ottoman et à bord d'un motif d'aigle sophistiqué. Le foulard est couvert de sang. Je ne parviens à préparer la bonne solution chimique. Je pourrais dissoudre la tache sans endommager le tissu. Maintenant que j'ai retiré toute la tache de sang, je peux porter ce foulard pour me déguiser. C'est caché derrière le mur, j'en suis sûr. Où est-ce qu'il se prépare la marine? Tribunal. Tour général. Aller au bar. Meurtre du caporal. Désobéissance. Being very stealthy, Sherlock, and you threw it all away. Come on, pull yourself together. Ridley's blood is on bottom of the head. J'ai pu capter quelques brises de conversation de plusieurs marines. Ils sont courroucés par le meurtre du caporal et n'ont qu'un seul désir, venger leur camarade. L'officier présent a néanmoins appelé au calme en attendant que les autres supérieurs. Could you help me? I'd help you if I could, but I know nothing. You aren't here to relieve me from duty, are you? J'ai pu capter. Ok, bon. Depuis notre dernier rendez-vous, les précieux moments que nous partageons peuplent chacun de mes rêves, mais ces rêves ne cessent de se transformer en cauchemars. Je crains qu'on nous découvre. Je me souviens trop bien de ce que j'étais. Dit, mais j'avais tort, je désire la vie que tu m'as promis, je suis prête à m'enfuir avec toi. Je t'attendrai chez moi, à l'eau, sers-toi de l'entrée sans aigle. Les domestiques viendront prêts à accueillir une ottomane portant le foulard que je t'ai donné. D'ailleurs. Un sacré à l'intérieur d'un coffre vide, après Mark, une lutte au lieu, malgré les blessures, le grasseur tue le caporal, puis le jette à la fenêtre.
déjà rien. Je dois aller où? Mais Jalan, il reste où, lui? You aren't here to relieve me from duty, are you? Oh, well. Are you able to help me? British soldiers are an insult to my people. May I ask for your assistance? No, brother. That's out of my knowledge. May I ask you something? No, sir. I've never heard of it. This isn't working. You might need a different tack. Are you able to help me? Are you talking to me? Get lost. I hope the police find the murderer. I'm on guard, Sherry, so don't worry. Can I ask you a question? Sorry, sir, I can't help you. Time to check your who, what, and... What, Sherry? Who are you asking about what and dressed as what? Can you satisfy my curiosity? Nothing stands between me and helping a fellow citizen, except the absence of knowledge. Ask someone else. Could you help me? Sorry, sir, I can't help.
Je sais pas ce qu'elle vit, ça aiderait pas. Donc, c'était tout pour le live du jeu. Sherlock Holmes, chapitre 1, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh, yeah!